Meghan Markle, énervée car la reine Elizabeth I l'empêche de voir son mari, le prince Harry, le 25 décembre au matin. Pour Meghan Markle, le réveillon de Noël s'annonce loin d'être une partie de plaisir. Pour commencer, une tradition va l'empêcher de voir son mari le 25 décembre au matin. Cette tradition chère à la reine voudrait que les hommes et les femmes passent le matin de Noël chacun de leur côté. C'est ce qu'a rappelé le chef cuisinier d'Arène McGrady, dans un article du journal britannique My On Sunday. Le jour de Noël, les femmes prennent habituellement un petit déjeuner léger, des fruits, du raisin, du pain et du café, que l'on apporte dans leur chambre. Les hommes de la famille royale, pendant ce temps, descendent dans la salle à manger pour un petit déjeuner à 8h30, avec 2 œufs, du bacon, des champignons, du hareng et de la viande grillée. Plutôt copieux, pour se mettre en appétit avant le repas de Noël et dans un grand nombre de familles aristocrates, cette tradition de prendre un petit déjeuner séparé serait respectée le jour de Noël. Cette tradition énerverait quelque peu Meghan, qui pourrait avoir du mal avec le respect de certaines règles de la famille royale. Or, cette tradition s'applique uniquement aux couples mariés. Les femmes non mariées sont ainsi autorisées à se montrer sociables, et à prendre le petit déjeuner avec les hommes. De quoi énerver Meghan, tout juste mariée au printemps, qui pourra toujours grignoter quelques fruits dans sa chambre pour se consoler.